Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne. J'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. C'est la rentrée. Qui dit rentrée dit malheureusement des centaines de milliards d'emails à trier, à classer, à rattraper, des tas de rendez-vous de scanners ultra urgents à positionner, les patients à rappeler, les projets universitaires qui reprennent. Bref, tout ça, c'est dur, mais c'est aussi cool. Puisque on revoit les collègues, on se remet un peu dans le bain, on reprend le travail, les dossiers intéressants, on a plein de projets, c'est super. Et je voulais aussi un petit peu vous parler rapidement des petits projets pour la chaîne, puisque il n'y a pas eu grand-chose ces derniers temps. C'est vrai que le temps manquait un petit peu, et donc quelques petites vidéos par-ci, par-là que j'ai eu l'occasion de vous faire et qui, j'espère, vous ont fait plaisir. Eh bien, l'idée, c'est d'aller encore un petit peu plus loin. Je vous remercie car vous êtes vraiment nombreux à chaque fois à m'encourager, à me mettre vos commentaires, à poser des questions. Et ça fait vraiment plaisir puisque on voit que c'est quelque chose qui est utile. C'est des cas qui sont utiles, qui sont intéressants, qui sont plaisants pour vous. Alors vous qui êtes peut-être des internes, des externes, des juniors, des médecins en formation, mais aussi peut-être déjà des médecins installés, des radiologues, des non-radiologues, et aussi, j'ai l'impression, des non-médecins. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est un petit peu d'ouvrir le monde de la radiologie qui peut sembler un peu opaque. On se dit, voilà, on a le radiologue qui est derrière son écran, derrière son coin à rien faire, ou simplement à bosser et à abattre. Eh ben non, on est aussi au contact de tous, des collègues comme des patients, et on est utile. Et c'est vraiment l'idée, c'est de montrer que c'est indispensable et que c'est vraiment utile. Donc tout ça, ça fait plaisir. Et je vais essayer, pour la rentrée, c'est les bonnes résolutions de rentrée, essayer de poster plus de vidéos, des vidéos de cas cliniques, puisque ça, c'est vraiment sympa, des cas originaux, des cas didactiques qu'on pourra analyser ensemble. J'aimerais aussi beaucoup pouvoir vous proposer des vidéos un petit peu plus centrées sur certains sujets très intéressants. Alors j'ai pensé notamment, parce que c'est un petit peu le hot topic en ce moment, le dépistage du cancer pulmonaire. Il y a vraiment des choses intéressantes qui peuvent intéresser à la fois les médecins et à la fois le grand public. Des sujets sur le score calcique, le dacryoscanner. Enfin, plein de sujets un petit peu différents sur lesquels on peut montrer un peu la place de la radiologie. Et j'espère avoir le temps de pouvoir vous proposer ce type de vidéo dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Vous avez remarqué aussi, pendant l'été, j'ai essayé de mettre des sous-titrages en anglais sur plusieurs des vidéos, puisque j'ai remarqué qu'il y avait les sous-titres qui étaient activés par un nombre assez significatif de personnes. Et les sous-titres automatiques de YouTube, c'est pas mal, mais bon, c'est comme l'IA, ça marche pas toujours et parfois c'est même assez catastrophique. Et quand en plus il faut faire la traduction automatique d'un sous-titrage automatique, IA sur IA sur IA, à la fin c'est globibulga. Donc j'ai essayé de faire de la traduction manuelle et en reprenant, c'est très long. Il faut se refarcir la totalité de la vidéo qu'on a déjà vue une première fois parce qu'on a fait le montage. Donc voilà, et je me suis dit, si c'est utile pour les gens et s'il y a une audience pour quelque chose en anglais, pourquoi pas essayer de faire des vidéos en anglais. Ça me permettra, moi, de reprendre un petit peu du poil de la bête in English. Et donc, c'est une volonté. Alors, je ne sais pas si je la tiendrai ou pas, mais c'est une volonté de faire une chaîne secondaire uniquement dédiée aux cas cliniques, uniquement à destination d'un public anglophone, donc uniquement en anglais, avec des cas qui seront des cas différents des cas présentés en français. Voilà, j'ai aucune envie de refaire le même cas en anglais. C'est extrêmement pénible, c'est comme voir un film deux fois. C'est trop pénible. Donc on fera des cas différents. Voilà, il y aura des cas qui seront continués à être postés sur la chaîne qui seront en français. Il y aura des cas en anglais. Et l'idée, c'est de voir si on peut toucher un public un peu différent. Vous, bien sûr, si ça vous intéresse et si vous parlez anglais, mais aussi peut-être d'autres personnes qui ne comprennent pas notre magnifique langue et qui pourront un petit peu voir les bienfaits de la radiologie. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous aimeriez voir, entendre, être évoqué, les questions que vous vous posez, vos suggestions.
En tout cas, moi, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente rentrée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!